Nous l'avons trouvé, mais ça n'a pas été simple. Il y a beaucoup d'interférences dans le sud à cause de ces maudits orages. Et en quoi cette pierre doit nous aider, commandant ? Lieutenant, votre job n'est pas de poser des questions, mais d'exécuter des ordres. Tout ce que vous avez à savoir, c'est qu'elle est très importante pour les administrateurs. Bien. Quant au lieutenant de Sanei, vous le savez mieux que quiconque, il est devenu instable depuis la mission sur Nircia. Surveillez-le. S'il pose problème, éliminez-le. Je vais vous donner les plans du terrain et nous... Un problème ? J'ai cru voir quelque chose. Décollage du Journey dans 0.5. Avis au personnel sur place, évacuer les zones non balisées. Allumage propulseur à 20%. Stabilisation des niveaux de puissance. Attention, abandon des grappes de soutien. Impact dans 60 secondes. Activation des amortisseurs inertiels. Recadrage de la trajectoire. Le Journey quitte le hangar 16. Avancée lente, réacteur en action. Mise à feu du réacteur principal dans 5, 4, 3, 2, 1. Allumage. L'espace, frontière infinie de l'univers. Depuis toujours, l'homme tente de voyager dans cette immensité. Il nous paraît à tous impossible qu'aux confins même de cette infinité, une seule espèce ait pu émerger de l'abîme. Et si d'autres espèces avaient existé ? Et si elles avaient maîtrisé le voyage spatial ? Mais alors, si une espèce a existé, évolué et réussi, elle a forcément laissé des traces de sa présence. Un détail infime ou une chose évidente qui serait pourtant passée inaperçue jusqu'à présent. Nous sommes au 26e siècle, et deux terriens ne se doutent pas encore que leur vie va radicalement changer. La découverte d'une pierre verte va les propulser dans une quête qu'ils n'ont pas choisie, mais que pourtant ils devront mener à bien. Pour la survie de tout ce qu'ils connaissent. Un voyage ne débute pas par une destination. Il commence par la volonté d'en trouver une. Messieurs, la mission est simple. Débarquer, trouver la zone et récupérer l'objet. Des questions ? Des dangers à prévoir, mon commandant ? Toujours. C'est pour ça qu'on vous donne une arme, artilleur, et non pas pour l'exhiber à la gente féminine. Quelle sorte d'objet devons-nous trouver au juste, mon commandant ? L'opérateur a décrit l'objet comme étant une pierre verte. Cet artefact aurait des propriétés intéressantes qui serviraient grandement le consortium. Quant à savoir ce qu'il est vraiment, je n'en sais rien. Lieutenant Sanei et Walls, je vous passe la main sur le terrain. Vous serez évidemment en liaison ininterrompue avec l'opérateur de mission. Nous amorçons notre descente. Le commando est prié de se préparer pour le dropage sur zone. Vous avez entendu ? Allez, fini les questions. Je compte sur vous pour mener à bien cette mission, messieurs. L'évacuation est prévue à poste 6.30. Bonne chance. Go, go, go ! Thank you.
Liaison opérateur. Liaison effectuée. Mission D145 débutée. Enregistrement des données et suivi continu activé. Vous pouvez commencer la mission. Sané, je la sens mal cette mission. On sait tous les deux que tu nous sors le même baratin à chaque fois. Et il m'est arrivé d'avoir raison. Bah forcément, à force de parier sur le même cheval, il y a bien un jour où il va gagner. Je déconne pas, Sané. Cette mission te perturbe à ce point ? Ne la foire pas, c'est tout ce que je te demande. Voilà le village. Les renseignements n'avaient pas dit qu'il serait aussi grand. Le jour où les services de renseignement serviront à quelque chose, Walls, j'aurai plus besoin de me coltiner ta face pour me payer les factures. Bien, messieurs, restez sur vos gardes. Quelqu'un ici parle portugais ? Ne vous fatiguez pas, soldat, je vous comprends très bien. Voilà qui va faciliter les échanges. On peut parler à votre représentant ? Je vais vous amener au chef, suivez-moi. Entrer. Non, pas lui. Comment ça ? Depuis quand je peux pas entrer ? Depuis que je vous l'ai dit. C'est bon, Wolves. Tu restes dehors avec les hommes. Je m'en charge. Bien, Tsané. Mais quoi qu'il arrive, on quitte le village dans 15 minutes, avec les infos. Je vais m'en sortir, t'en fais pas. Tâche de pas t'attirer d'ennui en mon absence. Y a pas de raison. Salutations. Bonjour à vous. Je peux savoir ce qui vous amène, toi et tes hommes ? Nous sommes à la recherche d'un objet, une pierre. Pas n'importe quelle pierre, je suppose. Évidemment. Que veux-tu faire avec ? Moi ? Ah mais rien, je ne sais même pas à quoi elle sert. Tes supérieurs le savent. Que comptent-ils en faire ? J'en sais rien et c'est aussi bien. Aussi bien ? Je veux pas me mêler de ça. Je vois. Bon, dites-moi la vérité. Est-ce que vous savez où est cette pierre ? J'ai pas que ça à faire. La vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Si ce n'est un mensonge plus crédible que les autres. Il se pourrait bien que je le sache. Mais pourquoi te le dirais-je ? Écoutez, je ne vous menacerai pas, Vire. Et si je n'obtiens pas ce que nous sommes venus chercher ici, d'autres entreront aussi, et ils seront moins tendres que moi. Certes. Je vais te poser une dernière question. Ensuite, je te dirai où est la pierre. Donc elle n'est pas dans ce village ? C'est moi qui pose la question, jeune homme. Je vous écoute. Jusqu'où serais-tu prêt à aller pour rester fidèle à toi-même ? C'est quoi cette question ? Une question ne peut pas être une réponse. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Je vois. Tu as encore un peu de temps pour y réfléchir. Ce que tu cherches est un peu plus au nord, dans la montagne, au fond d'une grotte. Merci, nous vous laissons tranquille. Adieu, et bonne chance, John. Comment vous connaissez mon nom ? Tu étais en train de partir. Alors, tu sais où est cette foutue pierre ? En attendant, nous, on est bien trempés avec toutes ces conneries. Opérateur, autorisation de quitter les lieux pour avancer en direction d'un point indiqué par les indigènes. Cherchez pas, mon lieutenant ! On a perdu la connexion depuis que l'orage est tombé ! Il y a une sorte d'interférence étrange. En fait, tout notre équipement est à plat. C'est ça, Digan ! Criez le plus fort, des fois que les technos de ce village vous aient pas entendu. Comment ça, mon lieutenant ? Rien que votre montre vaut plus que tout ce qu'il rêverait d'avoir en une année. C'est bon, Waltz, on a compris. Et jusque-là, c'est toi qui parles le plus fort, donc essaie de la boucler un peu. Allez, les gars, suivez-moi. Attendez, mon lieutenant. J'ai récupéré des torches, au cas où. Vous les avez trouvées où ? Eh bien, j'ai parlé à l'un des habitants et... Vous voulez dire qu'ils sont au courant qu'on n'a plus aucun équipement fonctionnel ? Eh bien... Allez, c'est bon, vous deux, on dégage de là.
Digan, vous restez là pour surveiller nos arrières. Comme les radios ne fonctionnent pas, s'il y a un problème, vous criez dans la grotte. L'écho devrait nous avertir. Bien, mon lieutenant. Walls, Gently, Emerson, vous venez avec moi. Digan, lorsque le contact radio sera rétabli, faites part de notre situation à l'opérateur. Walls, à ton avis, ils veulent faire quoi de cette foutue pierre? Qu'est-ce que j'en sais? C'est pas la première fois qu'on nous dit que ce qu'on doit savoir. Le chef avait l'air inquiet de savoir ce qu'on pourrait en faire. Oh, c'est pas comme si l'avenir du monde dépendait de ce foutu caillou. On se contente de faire la mission et on pose pas trop de questions. C'est ce qu'on a fait pendant 5 ans et ce qu'on continuera à faire. C'est ce qui a payé ta nouvelle voiture. D'ailleurs, elle est comment? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Elle est au garage depuis 6 mois et j'ai toujours pas eu de permission. Tu verras. Après celle-là, on pourra prendre une pause bien méritée. Je sais pas, Rolls. J'y crois pas trop. Tu sais, je me dis que... La pierre. La voilà. Emerson, Gently, sécurisez la zone. Je me charge de l'artefact. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est rien. Juste que... Finn. Les anciens te cherchent, ils veulent te parler. Je sais. Tu sais? Alors va les rejoindre, ils t'attendent à la primée. Les votes sont clos, c'est ça? Oui. Ils vont annoncer les résultats demain. On le connaît tous les deux, les résultats. Je vois. Tu doutes encore? À ton avis, ils veulent faire de moi leur chef! Je ne suis pas fait pour ça, moi. Pourquoi moi, d'ailleurs? Il y avait bien d'autres personnes dans ce village qui pouvaient faire l'affaire. S'ils ont pris cette décision, sache que ça sera un honneur que de t'avoir comme chef. Evan, je ne veux pas que tout change. Les gens ne me resteront plus la parole comme avant. Plus rien ne sera pareil. Je vais leur dire que tu te reposes. Tu n'auras qu'à passer les voir demain avant l'annonce. En attendant, va donc te promener. Ça te fera du bien. Oui, je sais ce que tu dirais. Prends tes responsabilités au sérieux. Je ne suis pas comme toi, papa! Je peux toujours refuser. Non, il ne le comprendrait pas. Qu'est-ce que... Hé, toi! Reviens là! Y'a quelqu'un? C'est quoi ça? Bonsoir, Finn. Qui êtes-vous? Nous sommes ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Je suis désolé si je vous ai dérangé, je vais partir. C'est nous qui t'avons fait venir ici, Finn. La forêt. Vous m'observiez. Nous avons besoin de ton aide, futur chef. Comment ça? Qu'attendez-vous de moi? Vois-tu, cette pierre que tu as touchée ne t'est pas destinée. Le porteur s'appelle John Sunny. Nous avons besoin que tu veilles sur nous pour lui. Qui est-ce? Et pourquoi moi? Depuis plusieurs générations, les chefs de ton village nous protègent. Ce sont les gardiens. Le porteur a été choisi depuis bien longtemps. Nous l'attendons ici, paisiblement, caché du reste de la galaxie.
Seuls toi et tes prédécesseurs connaissaient l'existence de cette grotte et de ce qu'elle contient. Je n'avais jamais entendu parler de vous. Les chefs qui t'ont précédé et tous les hommes avant eux encore ont fait leur devoir. Si personne ne nous protège, la pierre tombera dans les mains de la mauvaise personne. Cela ne doit pas arriver. Si l'espoir est perdu, l'ombre enveloppera tout. Ton village disparaîtra. Acceptes-tu de nous protéger ? Acceptes-tu la lourde tâche d'être le chef de ton village pour veiller sur nous ? J'aurais une question, si vous le permettez. Pose ta question, Finn. Nous t'écoutons. D'où venez-vous ? Je veux dire, qu'est-ce que vous êtes ? Il s'agit là de deux questions bien distinctes. Nous venons d'un autre temps qui a depuis de nombreux cycles été révolu. Nous sommes l'espoir des disparus, de ceux qui ont sauvé la vie et combattu l'ombre. Si ce que vous dites est vrai, je poursuivrai ce que mon père et les chefs avant lui ont commencé. Je vous protégerai, jusqu'à ce que le porteur vous trouve. Finn Stendor, fils de Aaron Stendor, tu es le 97e et dernier gardien. Un beau jour, le porteur se présentera à toi. Tu devras alors le guider jusqu'à nous. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Et à quoi sert cette pierre ? Tu auras toutes tes réponses quand tu rencontreras ton protecteur. En tant que porteur, tu as fait ton choix. Nous sommes désolés pour toi, John. Mais ta vie a changé à jamais. Maintenant, va, John. Va et protège cette pierre comme si ta vie en dépendait. Car c'est le cas. Non mais dites-moi plus ! J'ai besoin de savoir ce que je dois faire ! Vous devez m'aider ! À tout de suite. John ? Juste que ? Tu vas bien ? Je... On peut pas leur donner cette chose. Comment ? Et qu'est-ce que tu racontes ? Dis pas de conneries, on a été envoyé pour ça et on fera ce pour quoi on est là. Walls, pour une fois, c'est moi qui la s'emballe cette mission. Ils ont rétabli. Nous avons été informés de la situation. Les orages semblent avoir perturbé les communications. Rapport de situation. Avez-vous l'artefact ? Walls, fais pas de conneries. Faut surtout pas leur donner cette pierre. Elle n'est pas ce qu'on imagine. Je ne sais pas ce qui t'arrive, Tsanet, mais moi, je compte bien respecter les ordres qu'on a reçus. Donc, donne-moi ça. Et on va le rendre à Priam. Ensuite, on ira boire un verre pour décompresser. D'accord ? Tu comprends pas, Walls. C'est pas juste un objet comme les autres. Je sais pas, cette pierre a une sorte d'aura. Elle m'a montré des choses, elle m'a parlé. Tout ce que je vois, c'est que tu es en train de craquer une fois de plus. Ils auraient dû te donner ta permission depuis longtemps. Ah, tu comprends rien. Que ce soit clair, le consortium n'aura pas cette pierre. Opérateur ? Walls, non ! Nous vous écoutons, lieutenant Walls. Le lieutenant Tsanet refuse de rendre l'artefact. Lieutenant Tsanet, veuillez céder la pierre au lieutenant Wall sur le champ. Vous allez être convoqué à un entretien avec l'un de nos psychologues dès votre retour. Je ne suis pas fou. Je sais parfaitement ce que je fais, vous n'aurez pas l'artefact. Opérateur, qu'est-ce que je dois faire ? Veuillez patienter. Vous allez être mis en relation directe avec un administrateur. Un administrateur ? John, fais pas le con, donne-moi cette putain de pierre qu'on en finisse ! Non ! Maintenant, écarte-toi et laisse-moi passer. Conférence établie. Lieutenant Tsanet, ceci est un ordre direct. Rendez la pierre. Allez vous faire voir. Lieutenant Walls, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien. Je suis désolé, John. Je t'avais prévenu. Gently, abattez-le. Comment ? Je vais pas tirer sur le lieutenant Tsanet. Tirez, sombre abruti ! Il n'en est pas question. En cas de mutinerie, les ordres sont très clairs. Walls, tu n'es pas obligé de faire ça. Vous êtes taré ! Emerson, tirez sur Tsanet ou vous subirez le même sort. Walls, vous pouvez m'abattre. Non ! Et maintenant, je fais quoi ? Walls, t'es complètement malade. Tu viens d'abattre deux de tes hommes. Qu'est-ce qui va pas chez toi, bordel ? Tu pouvais pas respecter la mission ? Tu ne pouvais pas suivre les ordres ? Comme d'habitude, hein ? Déjà sur Nircia, j'ai dû faire le sale boulot à ta place ! Quoi ? Tu les as tués ? T'as tué deux gamines ? Tu m'avais dit que tu les avais aidées à s'enfuir ! C'est plus ou moins ce que j'ai fait. Elles sont tranquilles maintenant. Les ordres étaient de tuer tous les témoins. C'est ce que j'ai fait. Rien de plus. Tu m'obliges toujours à rattraper tes conneries. Et encore une fois, tout ça, c'est ta faute. Si tu m'avais donné la pierre, je n'aurais pas été obligé de faire ça. Qui est le plus malade des deux ici ? Celui qui tient l'arme ? Ou celui qui presse la détente ? C'est exact, Walls. Tu n'es plus qu'une arme.
Et ce n'est pas moi qui ai tout déclenché, c'est cette radio que t'as dans ton oreille. Je sais pas ce qui me retient de t'en mettre une entre les deux yeux. Vas-y. De toute façon, je ne te laisserai pas sortir d'ici avec cette pierre. Crétin. Même dans les pires moments, t'arrives à débiter des absurdités. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Je pense que vous le savez déjà. D'après les ordres, je dois vous intercepter. Et qu'allez-vous faire, Digan ? Vous laissez passer. Comment ? Vous êtes au courant de ce que vous risquez si vous ne respectez pas les ordres ? Je le sais. Vous savez qu'ils vont vous tuer. S'il y a bien une seule mort glorieuse, c'est celle qui permet à d'autres de vivre. Pourquoi vous sacrifiez-vous, Digan ? Pourquoi pour moi ? Je ne le fais pas que pour vous. Je le fais aussi pour l'artefact. Vous avez refusé de le donner. Et je vous connais suffisamment pour savoir que vous avez sans doute vos raisons. Vous êtes un gars bien, Digan. Ce fut un honneur. Honneur partagé, mon lieutenant. Cachez cette pierre et faites ce que vous avez à faire, Tsané. Merci pour les amis. Voilà vos papiers, monsieur Newman. Et vous êtes certain que vos papiers vont fonctionner, là ? Dans tous les cas, on fait pas de service apparent. Jusqu'où serais-tu prêt à aller pour rester fidèle à toi-même ? Alors, qu'est-ce qui pourrait m'aider à découvrir ce que c'est que cette maudite pierre ? Spécialiste. Bon, technologie et artefacts. Ah ! Ben Wilsteron, docteur en histoire, expert en artefacts, second cursus en recherche et technologie verte, c'est parfait. Où habites-tu ? Bien ! Bah merci patron ! Dis-toi, ça te dit un joli datapad tout neuf ? Ouais, ça doit valoir une fortune ce truc-là. Merci beaucoup, monsieur. Ah, par contre, enlève la puce avant. Il y a un traceur dessus. Attends, un traceur. Non mais, c'est à qui ce truc ? À des gens qui viennent juste de perdre ma trace. Oublie pas la puce. Ok, monsieur, j'enlève la puce. Bonjour, monsieur Newman. Où allez-vous ? Paris. Quelle est la raison de votre voyage ? Touristique. Bien. Pont numéro 13, prenez sur votre gauche. Bon voyage, monsieur Newman.
Bienvenue dans le cargo 38 915 à destination de Paris, France. Nous sommes le 23 mars 2564 et il est 15h26. Nous arriverons à 19h03. Lieutenant Sanet, vous avez désobéi à un ordre direct et tué deux de vos hommes. Je n'ai tué aucun homme sous mon commandement. Ah oui? Alors qui a tué Emerson et Gently, John? Toi, Walls. Si tu n'avais pas refusé de me refiler cette foutue pierre, John, il serait encore en vie. C'est ta faute, ta faute. Je sais, Walls. Je sais. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Tout ça pourquoi, John? Pourquoi? Une pierre? Une ridicule pierre? Oui, elle a quelque chose de différent. Il s'agit de bien plus que ça. Et cet objet a une importance que nous ne pouvons pas imaginer. Je l'ai senti, je le sais. Tu le sais? Oui. J'en suis persuadé. Alors, va. Non, non, je t'ai dit de me le donner demain. Écoute, si t'es pas foutu de me rendre un dossier à l'heure, tu dégages, ok? T'y passes la nuit, je m'en contrefous, mais je le veux sur mon bureau à l'aurore. Bonsoir. Savez-vous où habite le docteur Wilsteron, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur. Deuxième étage. Prenez l'ascenseur sur votre droite. Bonne soirée. Merci bien. Quel étage? Deuxième. Docteur Wilsteron? Mais c'est énorme! Je ne comprends pas, docteur, comment un bâtiment aussi gigantesque aurait pu rester caché tout ce temps? Déjà, il se trouve au cœur d'une montagne. Ensuite, une sorte de brouillage cache la structure. Impossible de prendre conscience que la montagne est creuse. Sans la pierre, personne ne peut entrer. Et avec la pierre, on est censé ouvrir un passage? C'est ça. Vers un autre monde. Oui, c'est ce que je vous ai expliqué hier. On va pas y revenir, si? Pardonnez-moi d'être encore un peu sceptique. Commencez plutôt à vous rendre utile. Faut trouver la salle d'embarquement. Alors en avant. Regardez, là! Bien joué, John. C'est certainement ça. Te voilà. John, donnez-moi la pierre. Tenez. Je vais tâcher de comprendre le mécanisme. Parfait, pendant ce temps-là, je vais rassembler nos affaires. Vous avez laissé les sacs dans la Jeep? Les sacs? Quels sacs? Attendez là, vous êtes en train de me dire que vous avez oublié les sacs? Eh bien, non, je ne dirais pas ça. Et vous diriez quoi? Oui, bon, il est envisageable que j'ai oublié les sacs, en effet, mais on va pas en faire tout un plat. J'y crois pas, il a fallu que je tombe sur vous. Ça commence bien. Vous permettez, je peux travailler? Faites donc, après tout vous êtes là pour ça.
Alors, vous en êtes où ? J'ai justement tout mis au point, je vous attendais. Bien, donc on est paré ? J'en ai peur. Comment ça ? John, avez-vous bien compris qu'il est tout à fait possible que nous ne puissions jamais rentrer sur Terre ? Ça, je le sais, docteur. Comment fonctionne ce système ? Le portail va créer une liaison matérielle temporaire entre la Terre et une autre planète de la galaxie. Mais je n'ai actuellement aucun moyen de savoir sur quelle planète il va nous envoyer. Ni si nous pourrons faire demi-tour. Écoutez, docteur Lucerne, je ne compte pas faire demi-tour maintenant ni plus tard. Je veux découvrir ce que tout ça signifie et je ne m'arrêterai pas avant. Je sais que ce n'est pas une décision facile à prendre, ni même peut-être envisageable pour la plupart des gens. Si vous désirez rentrer, je vous laisse les clés de la Jeep. Vous n'aurez plus qu'à vous prendre un billet pour le retour. Bien. Alors, qu'attendons-nous ? Comment ? Vous... Si vous pensez une seule seconde que je vais renoncer à tout ça, vous vous trompez lourdement. J'ai passé ma vie à attendre ce jour, à chercher cette occasion. Hors de question de rentrer maintenant. Eh bien parfait. Prêt pour l'embarquement, docteur ? Oh que oui ! J'active le portail. Vous croyez qu'on va croiser des aliens ? Si c'est le cas, j'espère qu'ils n'ont rien contre les touristes, et que leurs femmes sont ouvertes d'esprit. Pour quel genre d'exploration êtes-vous venu au juste ?